Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier Road to Glitch qui se trouve pour commencer sur Advanced Warfare. Et là je suis sur la map Détroit et on va voir ce qu'on pourra faire. Donc je pense que je vais essayer de sortir de la carte. Et si la partie a apparemment déjà commencé, ça va pas être simple. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, je prends une petite classe. D'accord, la partie vient à peine de commencer, donc ça c'est vraiment super. Et je spawn pas vraiment au bon endroit. Par contre ça c'est pas très cool. Et j'ai pris une classe. Oulala. Attends, j'ai pris une classe, c'est quoi ça? Cette arme je la connais pratiquement pas. Et je vais voir ce qu'elle donne en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, j'ai cru qu'il était en train de faire le glitch, j'ai eu peur. Oh non, j'ai eu peur. Screamer. Parfois les ennemis me surprennent, mais c'est un truc de ouf. Donc là. Oh, c'est stylé avec le logo 210k, même si j'en suis à 220 maintenant. Donc ouais, c'est vraiment pas cool du tout parce que les ennemis ils sont au glitch, ils spawnent au glitch. Et je dis pas qu'ils vont le faire parce que bon, c'est pas connu du tout, enfin pratiquement pas trop, enfin pas par la communauté ou quoi. Et ah, c'était un ennemi. Oh non. Oh non, mais elle est pas terrible en fait cette arme. AMR9. Franchement, j'ai quand même bien joué à Advanced Warfare. J'ai que 3 jours de jeu, mais bon, je suis prestige 9 quand même. Ok, faudrait vraiment que les spawns changent. Ah voilà, donc déjà là c'est un peu mieux parce qu'on spawn près du glitch. Et je... Oh my god, ah, c'est bon. Et je pourrais avoir des chances de pouvoir le réaliser. Donc double jump ici. Je peux y arriver. Je crois que je vais me faire tuer, oui. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que je me rate, j'ai une chance sur deux de me faire tuer. Non, une chance sur 3. On est gentil. Tac. Tac. Je prends l'exoplanage pour être sûr d'y arriver. Parce que bon, en ligne, c'est pas simple. Donc, une fois que t'es sur l'edge là, tac, tac. Et après, on va faire un double jump ici. Et je vais vite partir parce que là, il y a un ennemi juste en dessous de moi. Oh my god! Il m'a pas vu. Oh! Oh! Je vais me faire écraser. Ils sont tous là, les ennemis! Faut que je parte. Oh! Mais ils vont me tuer! Non! Oui, c'est bon. J'ai trop peur parce que, avec le radar, ils vont voir un mec hyper haut dans le ciel. C'est hyper. Enfin, comment dire? Ouais, je suis cramé de ouf en fait. Rien que là où je suis cramé. Parce que, une fois, j'avais déjà fait un glitch en ligne pour le fun. Je comptais même pas tuer les gens, je voulais juste sortir de la carte et non, je me suis tué plein de fois en étant en dehors de la carte parce qu'en fait on est hyper cramé et il faut faire grave attention. Surtout quand je rate mes balles de snipe, c'est mauvais. Il me cherche, hitmarker. Ouais, il me cherche parce qu'en fait. Oh, mais c'est bien lance-boule en fait. Elle a un lance-boule cette arme. Oh, c'est quoi ça? Je suis sûr que je fais aucun dégât, mais je vais essayer. Où es-tu, petit garçon? Attends, là, alors là, il est hyper loin, là. Je pourrais jamais l'avoir. Si je l'ai... Il m'a vu. Oui! Le kill le plus loin, avec le plus de distance d'Advanced Warfare. Non, je déconne. Par contre, ils spawnent tous en face de moi, donc ça, c'est... Non, je vais me prendre un sniper à tous les coups. Ouais, ils sont tous devant là-bas. Je les vois. Je les vois même réapparaître. Il faut... J'aimerais juste partir, mais... En fait, là, je vais aller sur un mur invisible, ici. Mais je vais être cramé de ouf. Il me voit. Il va sortir un... Ah, il m'a vu. Ah, vu, il me tire dessus. Oh là là, ils sont pleins de tirer dessus. Vous voyez, en fait, j'ai beau... Enfin, là, vous savez, croire tout glitch, c'est de faire des glitches en ligne. Mais c'est pas simple, déjà, pour les réaliser. Mais en plus, quand t'es en dehors de la carte, t'es hyper cramé. Du coup, je vais un peu les narguer. Je vais essayer de sauter sur un train. Et normalement, après, une fois sur le train, il y a quelqu'un qui spawn pas loin. Je les vois un peu bouger ici. Non. Oh non, je tombe sur un mur invisible. Oh, le seum. Faut que je vois le prochain où il arrive. Allez, vite. Viens.
Super. Il a rien de mieux de se faire tuer comme ça. Oh, j'ai trop abusé là. Non, j'ai trop abusé. Franchement, c'est. Et le LED, j'arrive même plus à aller dessus. Comment ça se fait? Et je lui ai mis des balles à lui. Moi, j'ai pas voulu trop tuer du gens au nord de la map parce que déjà ça se fait pas. Même s'ils ont eux plus de chances de me tuer que moi. Parce que moi, au snipe, je suis. Enfin, en hardscope, je suis vraiment pourri. Mais... Et en plus, quand je suis en haut de la map comme ça, c'est. Je crois que je vais prendre une balle 27 ou une AK-12 parce que franchement, c'est pas du tout équitable à ce que je me prends. Parce que mon arme, elle est vraiment pourrie. Oh, très belle, une tourelle automatique juste à côté de moi. Et il spawn à côté de moi. Oh non. Faudrait que je détruise ça, mais un mec il me tire dessus. Ok. Ça, là c'est du grand n'importe quoi ce qui m'arrive. En plus je me suis fait écraser par un train. Donc voilà. Fais-toi écraser par un train sur Radiant Warfare. C'est très normal. Ah merde, ce mec il a un kill streak. Allez vite, détruis-toi. Mais non. Mais comment ça se fait que ça se détruit pas depuis tout à l'heure on tire dessus. Ah voilà, galerie. Bon, maintenant il faut faire en sorte que j'y arrive. Une deuxième fois. Je vois rien. Non, je suis sérieux là. Attends, le mec il a deux fois son kill streak. Mais c'est quoi ces conneries? Je me suicide parce que bon, je l'ai fait et je sais pas, ça m'a fait glisser. Il va me tirer dessus à tous les coups. Bah oui, je me fais spawn kill maintenant. Bon, ça, après, ça donne surfar, c'est normal, mais vas-y. C'est dégueulasse. C'est lâche plutôt. Je voulais dire dégueulasse et je voulais dire lâche. Dégueulasse. Nouveau mot. Donc, ouais, bah je pourrais jamais y arriver une deuxième fois, je pense. Parce que les ennemis sont juste à côté de moi tout le temps et. Et eux, ils ont des balles 27 ou des AK-12 ou des armes. Je sais pas. Moi, c'est pas une arme ce que j'ai là. C'est un pistolet à eau. Et non. Toujours moi qui mets la première balle, toujours eux qui mettent la dernière balle. En fait, mon arme, elle est pas du tout puissante, mais c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi ils rééquilibrent pas trop les armes comme ça. Et j'y étais. Là j'enlevais mon exopanage et j'y étais. Franchement c'est dégueulasse, j'ai trop le seum, c'est un truc de ouf. De me faire écraser par un train et après je me fais spawn kill par les ennemis. Alors que j'aurais pu le faire moi les spawn killer en étant en dehors de la map. Mais je les ai pas fait, je les ai respectés. Bah ils me respectent pas, ça c'est dégueulasse. Par contre... Allez vite. Ok, je suis tué à travers le mur. Je me suis fait tuer à travers le mur par un gun qui one shot. Bon d'accord, le gun il one shot, ça c'est normal. Mais bon, à travers le mur, ça c'est pas normal parce que les wellbangs, je crois que ça passe même pas sur Radiant Warfare. Et en plus, en fait c'est juste le temps de latence qui est bugué. Putain, c'est dégoûtant, j'ai trop le seum. Et voilà, j'ai été sur l'autre. J'ai essayé les deux, là j'étais sur les deux. Franchement c'est dégueulasse, j'ai vraiment trop le seum. C'est dégueulasse. J'aurais dû spawn killer rien que pour leur faire chier. J'aurais pas dû faire le truc avec le train parce que le train il m'a écrasé, il a aucun respect avec moi le train. Il m'a dit ah t'es dans la map et m'a bouffe toi ça. Machin il m'a écrasé, je me suis pris un mur transparent, il m'a violé mon personnage. Donc voilà en tout cas bah, j'espère que ce premier road to glitch vous aura plu. J'ai eu beaucoup de demandes sur Black Ops 2 aussi. Mais bon, des glitchs en multijoueur sur Black Ops 2 je crois qu'il n'y en a pratiquement plus parce qu'ils ont été patchés. Et du coup bah, je vais voir, dites-moi en commentaire sur quel Call of Duty vous souhaitez que je réalise. Après pour GTA, ben c'est pas vraiment possible parce qu'il n'y a aucun level pour réaliser des glitches parce qu'ils sont tous trop simples. Et du coup, ben, ce qui est mieux, c'est de faire du Call of Duty et en ligne comme celui-ci. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire sur quel Call of, hein, je peux vraiment faire à peu près tous les Call of. Et donc voilà, en tout cas, ben, j'espère que ça vous aura plu malgré que je me suis fail vers la fin. Et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez plus de Road to Glitch. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde. Bye.